Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes petits coms. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bricot comme Antoine. C'est parti, aujourd'hui, on va réparer un meuble. Je vous montre tout de suite le meuble concerné. Let's go! Alors, il nous faudra donc des tréteaux et deux morceaux de bois. Là, on en voit qu'un seul à l'image, mais il en faut deux comme ça. Alors, donc là, première étape, je commence par démonter le meuble. Deuxième étape, je prends mes dimensions. C'était des lames de 2,40 m. Du coup, je les coupe à 1,20 m chacune au milieu. Maintenant, on va les couper pour remplacer, pour les mettre sur le meuble. Alors là, maintenant, je suis en train de faire des petits tracés. Sur chaque partie, le but étant de, si vous voulez, de pouvoir faire en sorte que les pieds passent bien. Et puis après, j'ai découpé aussi la partie basse, justement pour que ces pieds continuent à bien passer. Je fais les petites traces des pieds au sol et après, je vais pouvoir commencer à les fixer. Alors là, on voit que je galère un petit peu à mettre le premier pied qui n'a pas été une chose très évidente. J'ai cherché comment faire parce que je n'ai pas de support pour bien le fixer. Finalement, j'ai réussi à bien fixer le premier pied comme il faut. Le deuxième a été plus simple et forcément le dernier était déjà beaucoup plus simple. Et j'ai changé de tactique en faisant cette fois-ci au sol. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, je mets les autres pieds. Enfin, chose très importante, maintenant je remets en place l'étagère intermédiaire du meuble qui était importante à refixer pour la solidité de l'ensemble du meuble. Puis enfin, je vais venir préparer la dernière planche, la planche du dessus qui va permettre de terminer le meuble et je la remets en place. Voilà, la réalisation est terminée, le meuble est prêt pour une longue vie, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. À la prochaine.